Nang's Reborn. Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nang's Reborn pour une vidéo de type analyse. Et c'est la vidéo analyse 61. C'est extraordinaire. Si vous n'avez pas regardé la précédente vidéo, nous vous invitons à aller la regarder. Là, ça va être chaud. Aujourd'hui, nous allons comprendre, mes frères et sœurs, pourquoi Dieu nous demande de ne pas aimer le monde ni les choses de ce monde. Mes frères et sœurs, c'est réel. Aujourd'hui, les femmes ont décidé d'être tellement belles au point où elles veulent ressembler aux démons. Ah! Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui ne va pas? Les femmes d'aujourd'hui disent qu'elles veulent être tout simplement sexy. Wow! Regardez. Ouh! Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ça. Qu'est-ce que c'est, mes frères et sœurs? Wow! Mais qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? C'est ça. Nous voulons ressembler au diable. Les femmes du monde veulent ressembler à Satan, Lucifer lui-même. Au point où elles s'habillent comme elles veulent. Elles s'habillent de façon sexy. Regardez. Et on se dit que c'est juste pour s'amuser. C'est un jeu. Toi, ma soeur, si tu portes de telles choses, nous allons te dire directement que tu es tout simplement en train de représenter le diable sans le savoir. Et ces choses, ce n'est pas de la blague. On ne joue pas avec. On ne joue pas avec de telles choses. Et regardez comme elle est belle. N'est-elle pas séduisante? Elle est même plus belle que belle. Elle est même plus belle que belle. Mais faites attention. Faites vraiment attention. Cette manière de s'habiller de façon sexy pour séduire les gens, c'est un grand péché qui conduit les gens à l'enfer. Faites attention. Ici, on va voir encore une autre femme dans la même dimension. Là, ça devient chaud. Toutes les femmes veulent être sexy, elles veulent être belles. Et c'est devenu une mode de vie. Regardez. Est-ce que c'est une manière de s'habiller ça? Ici, elle se courbe. Tous ceux qui sont juste à côté, tous les garçons qui sont un peu pervers. Il faut juste la regarder comme ça. Ah! Parce qu'ils cherchent, ils savent ce qu'ils recherchent. Ou encore ce qu'ils veulent voir. Regardez ça. Waouh! Ce que nous vous montrons aujourd'hui, ce sont des choses qui existent. Vous ne me direz pas qu'elles n'existent pas ou que ça n'existe pas, que ces choses, ça existe. Et c'est dans notre monde que ça se trouve. C'est pourquoi Dieu il a vu tout ça, il a dit franchement, nous devons faire attention. Les femmes, nous les humains, nous ne devons pas aimer le monde ni les choses de ce monde. Nous devons tout simplement faire très attention, ne même pas copier les styles de ce monde. Regardez ça. Ah! Regardez comme elle est sexy, elle est jolie. C'est pas, n'est-ce pas ce que la femme se dit? Oh, elle est sexy, elle est jolie, elle est comme ceci, elle est comme cela. Ah! N'est-ce pas ça? Faites attention, ça encore, c'est quelque chose que Dieu n'apprécie pas. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On a l'impression même que c'est une sorcière. Ah! Est-ce une sorcière? Wow! Elle a tout même pour être une vraie sorcière. Regardez ça. Ah! Mes frères et sœurs, nous devons vraiment faire attention. Nous devons vraiment faire plus attention et attention. Que Dieu nous protège. Regardez. Et elle aussi, elle est habillée de façon sexy. Elle a fait son effort pour couvrir un peu tout sur elle. Mais ce qui se trouve sur sa tête là, qu'est-ce que c'est? On m'a dit que ce sont les cornes de Baphomet. C'est un démon que beaucoup de personnes adorent. Et Baphomet, c'est un démon qu'on adore aussi dans la musique. Dans la musique, on le présente comme une chèvre avec des cornes. En fait, ça représente tout simplement le diable. Et ça c'est quoi? C'est quoi cet instrument-là? Je pense que c'est l'instrument que les gens utilisent le plus souvent pour montrer que c'est le diable qui est vraiment là, quoi. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Faites attention, mes frères et sœurs, faites vraiment attention. Nous ne sommes pas ceux de ce monde, il y a des satanistes, des sorciers, il y a toutes sortes de choses bizarres ici. Et regardez là.
vous allez dire, oh, mais il n'y a pas de problème, elle est bien habillée, tout est couvert, elle ne montre pas ses seins, et puis son vêtement, mais il y a un problème. Le problème est ici. Ici, elle a mis quelque chose sur sa tête pour couvrir sur sa tête. Vous allez dire que là aussi, il n'y a pas de problème. Mais là, regardez au niveau de son visage. Il y a un signe d'appartenance au diable qu'elle a. C'est un signe représenté par plein de personnes qui appartiennent à des groupes de bouddhistes ou encore des satanistes. Et c'est cet œil qui est ouvert ici. On voit un seul œil qui est fermé là, et l'autre qui est ouvert ici. C'est un signe d'appartenance au diable, c'est un signe satanique. C'est là où vous allez chercher à savoir quels sont les signes sataniques, pourquoi c'est comme ça. Et c'est là nous-mêmes nous allons nous réveiller pour comprendre qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Regardez ça. Là, la fille, elle est vraiment belle. Elle est sexy. Elle sait que. Elle est attirante même. Elle est séduisante même. Elle est même plus séduisante que séduisante. Elle-même, elle ne s'attendait pas à qu'elle soit si séduisante comme ça. Mais c'est ça. Le diable, il incite les gens à créer de ces choses, à pouvoir pousser les femmes à les apprécier. Et quand elles vont se mettre à les porter, les hommes vont devenir maintenant insensibles ou encore seront facilement séductibles. Les gens maintenant, la séduction va commencer à s'intensifier dans la société. Plus personne ne pourra résister à la tentation ou encore au péché. Est-ce que le diable veut faire? Sinon, qu'est-ce qui peut expliquer cette histoire? Regardez comment elle est habillée. Et quand elle est habillée comme ça, elle se dit franchement, là je vais séduire quelqu'un. Aïe, aïe, aïe! Qui va tomber dans mon piège aujourd'hui? Mes frères et sœurs, faites attention. Regardez ça. Ouh! Elle est vraiment belle. Elle est vraiment très belle. Mais quel est le problème? Le problème, c'est la même chose. Elle habille de façon sexy. Ça ne va pas séduire quelqu'un. Elle habille de sorte à séduire quelqu'un. Ça, c'est pour séduire quelqu'un. Même la possibilité. Il y a des gens qui vont au travail avec de tels vêtements et c'est ce qu'on demande aux gens de porter là-bas. Parce que comment le diable est en train de piéger les gens et à les amener même à s'habiller de la sorte pour que Dieu lui-même soit plus content de nous. Tes seins qui sont comme ça là, ici là, ça séduit quelqu'un, même la jupe est courte comme ça. Comment vas-tu t'asseoir? La question que moi je vais te poser c'est comment vas-tu t'asseoir? Et si ton portable est tombé, comment vas-tu te courber maintenant pour chercher à le prendre? Dis-moi, faut m'expliquer. Le diable ne fait rien au hasard. Il a fait de sorte que ça soit comme un film pornographique gratuit, quelque chose que tu peux voir, tu peux regarder. Et toi, mon frère, tu ne dois pas regarder ça. Tu ne dois pas prendre ton temps pour regarder. Toi, tu ne dois pas encourager cela. Tu dois plutôt le condamner. Tu dois dire que ce n'est pas bien, il faut qu'on règle des choses. Pourquoi les femmes ne s'habillent-elles pas bien? Regardez ici. Là, on voit cette femme. Son corps bien fermé, bien couvert. N'est-ce pas? Ah! Moi, je trouve que c'est joli. Je trouve que c'est joli. J'espère que ça ne plaque pas trop son corps. Ou bien ce vêtement n'a pas été fait dans l'esprit, c'est-à-dire c'est ton état d'âme, c'est-à-dire c'est à quoi tu penses quand tu portes ce vêtement aussi, ça crée des problèmes. Ton esprit que dans son esprit, ou encore dans l'esprit de ceux qui ont conçu ce vêtement, ils n'ont pas conçu de sorte que ce soit pour séduire, ou encore dans l'esprit de séduction, ou encore dans ce rythme. Cette vague de sexisme qui s'étend partout dans le monde, les gens veulent devenir sexy, les femmes deviennent sexy. J'espère que c'est pas ça. Regardez comme c'est beau, ça couvre tout le corps, le sein est bien couvert. Et est-ce qu'elle est morte après avoir porté un vêtement simple, parfait qui couvre tout son corps? Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle n'est pas belle? Faites attention, mes frères et sœurs. Faites attention, on se moque pas de Dieu. Les gens vont vraiment répondre devant Dieu de les affaires. Regardez ça. Parce que regardez le col ici. La fille, tout est bien jusqu'au dernier geste. Regardez le dernier geste. C'est où le dernier geste? C'est au niveau de la jupe. La jupe est tellement courte. Regardez, la jupe est vraiment courte. C'est vraiment, vraiment courte. Je me demande comment elle va s'asseoir. Quelle est la différence entre ça? Ok, regardez. Entre ça. Et ça.
Mais regardez comme la jupe de cette femme, il n'y a pas de problème. On peut dire que la jupe de cette femme là, ça fait quoi? Ça dépasse le genou. Quand ça dépasse le genou comme ça, les femmes sont ici, elles peuvent nous dire comment ça se passe. La plupart des cas, quand ça dépasse le genou, elles n'ont pas du mal même à se couper ou à s'abaisser pour ramasser ses choses, les choses, même à s'asseoir. Les filles qui s'habillent de la sorte, quand elles sont assises quelque part, elles sont tout simplement obligées de faire quoi? Elles sont obligées de se croiser les jambes. Elles se croisent les pieds comme ça. Voilà. Mes frères et sœurs, que Dieu nous garde, que Dieu nous aide à en sortir, que Dieu nous aide à faire de bons choix, même le choix de nos vêtements. Tout ça, c'est beau, tout ça, c'est attirant, mais ce que Dieu nous demande, c'est d'obéir à sa parole et de marcher sur la bonne voie. Regardez tout ça. Ah, les gens veulent ressembler au diable. Les femmes veulent ressembler au diable. Ma soeur, qu'en penses-tu? Réagis dans la partie commentaire et dis-moi ce que tu en penses. Ça m'intéresse. Abonne-toi, clique sur j'aime, c'est gratuit. Waouh, c'est extraordinaire! Mes frères et sœurs, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, veuillez cliquer sur s'abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche pour l'activer. Et si vous voulez faire le don pour nous soutenir, c'est possible. En dessous de cette vidéo, c'est toutes les informations qu'il vous faut pour faire le don. Vous pouvez faire le don via Western Union ou encore PayPal. Waouh! La suite.